The Martin Ennals Award was created almost 30 years ago to support human rights defenders at risk. Martin Ennals was a pioneer of the human rights movement. Over the years, the award in his name has recognized more than 50 human rights defenders in 20 different countries. And nothing can stop them. Not harassment, not insults, not threats, not trolls, not the censors, not even jail. And so in this year of upheaval, we've decided nothing can stop us from celebrating defenders. We've come together with thousands of people who believe that dignity, justice, and freedom are the fundamental rights everyone and everywhere. Geneva is at the heart of upholding human rights and celebrating our achievements. The COVID pandemic makes it impossible for us to show up for defenders physically. So we're showing up from our home office, from the dining room table or the couch, or maybe even our bedrooms. We are here, separated, but united in our admiration for the people who protect human rights. This is a celebration of Sultan Achilova from Turkmenistan, of Lujain al-Hatul from Saudi Arabia, and of Wu Wencheng of China. We're here for the Martin Ennals finalists and all other human rights defenders who are in jail and who have sacrificed so much for us. We are the movement, all of us who are watching. And now it's my great pleasure to introduce Catherine Sommer, who's waiting to welcome us all to this celebration at the Anna and Gabriel Hénard Palace in Geneva. Over to you, Catherine. Merci Isabelle et bienvenue à tous dans cette cérémonie du prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains. Cette année, Covid oblige, nous ne sommes pas très nombreux ici à Genève, mais le plus important, c'était de vous parler de ces deux femmes et de cet homme pour lesquels ça ne change pas grand-chose. Hein. Ils sont soit emprisonnés, soit dans l'impossibilité de sortir de leur pays. Mais c'était important de leur parler, de vous parler de leur courage et de leur combat
passe malgré la pandémie qui nous isole. On va vous les présenter dans quelques minutes, puis le jury décernera le prix Martin Ennals, ce qu'on appelle souvent le prix Nobel des droits humains. Pour leur rendre hommage, nous avons également préparé quelques surprises, quelques performances, et malgré la situation, nous pouvons compter sur le soutien indéfectible de la ville de Genève et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Petite information pratique, vous pouvez bien sûr nous suivre en ligne sur les plateformes des réseaux sociaux de la Fondation Martin Ennals et de la ville de Genève. Vous pouvez également revoir à la télévision cette cérémonie sur l'Aimant Bleu dès demain 19h30. Avec moi, Alfonso Gomez, conseiller administratif de la ville de Genève. Nous sommes chez vous, au palais Anna et Jean-Gabriel Ennard, lieu emblématique, la ville qui soutient depuis longtemps le prix Martin Ennals. Vous êtes un magistrat nouvellement élu, donc c'est la première fois que vous êtes avec nous, mais vous avez déjà pas mal roulé votre bosse avec le CICR notamment. Est-ce que c'était une évidence finalement de soutenir les défenseurs des droits humains pour la ville de Genève? Bien sûr, c'est une évidence. Pour moi, à titre personnel, par le parcours de plus de 15 ans au sein du CICR, mais c'est une évidence pour tous les magistrats de la ville. C'est le rôle de la ville, c'est fondamental depuis très très longtemps, je dirais depuis des centaines d'années, d'être une cité-refuge, cité de défense des droits de l'homme. Alors, on a des collégiens qui nous regardent, qui participent à ce prix cette année, et ils avaient envie de vous poser une question directement. Donc, le CG de l'École de Culture Générale Ella Maillard, on les écoute. On aimerait savoir que fait notre gouvernement ici à Genève et dans toute la Suisse pour les défenseurs des droits humains qui sont en prison partout dans le monde. Alors... Concrètement, hein, parce qu'effectivement, partout dans le monde, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose pour tout le monde. Mais concrètement, est-ce que votre action a réellement un effet? Alors, quelque chose de très concret. Par exemple, un des projets que nous avons, c'est de soutien aux juristes internationaux qui s'occupent, par exemple, de formation des avocats qui défendent les militants des droits de l'homme dans des pays comme le Guatemala, par exemple, où nous avons des projets de ce type. Mais également le soutien aux brigades de la paix internationale et qui, dans le même Guatemala, encadrent les défenseurs des droits de l'homme et soutiennent leur action également dans les forums internationaux. Et puis, d'une façon beaucoup plus large, il faut dire que la ville de Genève consacre un tiers de son budget à la solidarité internationale, à la défense spécifique des droits de l'homme, ce qui est aussi des montants importants pour les nombreuses organisations, souvent non gouvernementales. Vous parlez de solidarité internationale, on est dans une période un peu particulière hein, de pandémie, avec un repli sur soi, sur ses problèmes à soi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement le combat pour les droits humains passe un peu au deuxième plan? C'est effectivement, vous avez tout à fait raison, un des grands risques, et on le voit aujourd'hui des attaques contre les défenseurs des droits de l'homme. Permettez-moi, il n'y a qu'à citer le coup d'État qui vient de se produire en Birmanie. Il y a aujourd'hui également dans les prisons turques, pour ne pas les nommer, des grèves de la faim pour exiger aussi la défense des droits démocratiques et de la défense des droits de l'homme. Effectivement, c'est une période, malheureusement, où un certain nombre de gouvernements ou un certain nombre d'États limitent les droits démocratiques et en profitent, je le dis bien en guillemets, pour à un moment donné museler toute forme d'opposition parce que nous serions totalement concentrés sur la lutte contre la pandémie. Donc, il est encore plus important de lutter pour les droits de l'homme. Et vous savez, c'est historique. Hein. Quand on prend dans l'histoire, par exemple, les grandes pandémies, la peste noire, on profite de ces moments-là pour se débarrasser des minorités et des oppositions. Alors, merci d'être avec nous et nous allons découvrir bientôt, dans quelques minutes, les finalistes du prix. Merci. Merci. Philippe Cura, vous êtes le président de la Fondation Martin Ennals, vous êtes avocat et vous avez été membre de la Commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats de Genève pendant plus de 10 ans. Dites-nous à quel point, finalement, le rôle de la Fondation pour les défenseurs des droits humains est vital. Chaque fois qu'on distingue un défenseur ou une défenseur des droits de l'homme dans le monde, on attire l'attention sur son parcours, sur son rôle, sur les éléments qu'elle met en avant dans la défense des uns ou des autres, et on participe à sa protection. C'est essentiellement l'un des objectifs que nous poursuivons. Ce n'est pas un vain mot, donc. Non, ce n'est pas un vain mot. Il y a réellement un effet de protection. Il y a
Ça doit évidemment se mesurer d'un État à l'autre, d'une situation à l'autre, ce n'est pas toujours la même chose, mais de manière générale, les États préfèrent faire les choses discrètement lorsqu'il s'agit de violations des droits humains, et lorsqu'on attire la situation sur une personne en particulier, en règle générale, on peut observer, dans la plupart des cas, une certaine amélioration dans sa situation, voire plus largement dans la situation des droits humains dans le pays concerné. Alors le prix Martin Ennals, c'est des dizaines de lauréats hein, dans 20 pays du monde au cours des plus de 25 ans que le prix existe. Dites-nous peut-être un mot des finalistes 2021. Ce sont trois finalistes qui viennent de trois pays très différents, le Turkménistan, l'Arabie Saoudite et la Chine, qui ont des parcours de vie très différents aussi. Nous avons un avocat chinois, une journaliste turkmène et puis une activiste féminine en Arabie Saoudite, qui ont la particularité cette année d'être les trois finalement dans une situation de détention ou de ne pas être libres de leur mouvement. On est évidemment en temps de pandémie, on a parlé du repli, ici et dans le monde, le monde aussi. Alors, ça peut aussi être un alibi sanitaire, voire sécuritaire, dans les pays des finalistes ? Dans une certaine mesure, oui. Les règles sanitaires sont évidemment légitimes lorsqu'il s'agit de protéger la population et de permettre de lutter contre la pandémie. La question de leur proportionnalité peut toujours être discutée entre ceux qui pensent qu'on en fait trop et trop tôt ou qu'on en fait trop peu et trop tard. Il n'en reste pas moins que lorsqu'elles s'ajoutent également à des règles sécuritaires qui sont de plus en plus nombreuses, elles peuvent avoir un impact important sur la capacité de fonctionner des défenseurs des droits humains, de remplir leur mission. Et elles portent atteinte à nos libertés, à chacun de nous, partout dans le monde. Et c'est une problématique qui est importante aujourd'hui. Philippe Cura, merci d'être là pour la remise du prix Martin Ennals, qu'on va bientôt découvrir. Avant de faire connaissance de nos finalistes, sachez que nous avons l'air d'être seuls, mais l'air seulement parce que nous sommes suivis dans le monde entier par des publics très différents. Pour n'en citer que deux, nous avons avec nous Norma Ledesma, qui est finaliste 2020 du prix Martin Ennals et fondatrice de Justice pour nos filles au Chihuahua, au Mexique. Et nous avons aussi les élèves de l'ECG, Ella Maillard, qui sont avec nous. Desde Chihuahua, México, deseamos a las y los finalistas del Premio Martin Ennals 2021 ¡Felicidades! In the spirit of Gogos Izani, I would like to thank you for your courage and determination in making the world a better place for all of us, especially the youth. I'd like to congratulate this year's finalists. Regardless of who the winner is, you're all our role models, just as Gogos Izani was. Notre première finaliste s'est fait un prénom qui résonne depuis plusieurs années déjà parmi les défenseuses des droits humains en Arabie Saoudite. Lou Jane Al-Hatloul était toute jeune quand elle a décidé de se battre pour des droits qui peuvent nous sembler basiques, le droit de conduire pour les femmes, le droit de décider de sa vie sans la toute-puissance, domination toute-puissante d'un tuteur mâle. Elle l'a payé très cher de sa santé, de sa liberté. Nous n'avons pas pu tourner avec elle comme avec aucun de nos finalistes d'ailleurs. Le dessin a donc pris le relais des images et ce sont les proches de la jeune femme qui se sont mobilisés très fortement dès le début qui nous raconte Lou Jane. حبيبتنا Lou Jane, كيف حالك؟ من 2018 واحنا نصحى كل صباح بدون نكتك على مجموعة الواتساب. انتي فرحتنا واخذوكي مننا. تعتقدي يمكن انه العالم كله نساكي، بس اطمني الموضوع مش كذا ابدا. كيف نقدر ننسى المرأة الشجاعة اللي قامت بمعركة كبيرة من اجل التغيير؟ من جد احنا ما نعرف ايش اللي اشعل ضوء النضال في داخلك، بس من وانت صغيرة وانت دائما تحلمي بعالم افضل. في 2013 بدأت بقيادة حملة للمطالبة بحق النساء في القيادة بالسعودية، الين ما قاموا بسجنك. بعد 73 يوم من السجن قررت إطلاق حملة جديدة لنهاية نظام ولاية الرجل على النساء وحاولت إنشاء مأوى للنساء المعنفات.
في 2015 ترشحت أكثر من 900 مرأة للانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة. وبالطبع أنت كنتي واحدة منهم، بس استبعدوك ظلم. أنت مو بس دافعتي عن حقوق المرأة في الوطن، بس كمان سافرتي حول العالم عشان يترفع مستوى الوعي عن النساء السعوديات. دائما كنتي مؤدبة ومهذبة وصريحة وصامدة من الرغم من تعرضك للمضايقات والتهديدات. في 2018 تم اختطافك من الإمارات العربية المتحدة وعادوك قسرا إلى المملكة العربية السعودية ووضعوك قيد الاعتقال 3 سنين من السجن التعسفي. عيونك لسه تلمع. 8 أشهر في الحبس الانفرادي وإضراب على الطعام، والآن تتم محاكمتك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. كيف حياتك اليومية خلف القضبان؟ إحنا مرة فخورين بيكي، وما عمرنا حنتخلى أبدا عن النضال من أجل حريتك. عائلتك المحبة. Lou Jane vient de sortir de prison. On pourrait se réjouir, mais cela ne veut pas dire qu'elle a recouvré la liberté, car elle a l'interdiction de s'exprimer, l'interdiction de quitter l'Arabie Saoudite, et cette étiquette de terroriste qui la suit partout. L'un de ses piliers de défense, sa sœur Lina, lance un appel. Good evening, everyone. My name is Lina, and I'll be speaking tonight on behalf of my whole family, as Lou Jane cannot be here. I would first like to thank the Martin Ennals jury for choosing Lou Jane this year. I would also like to thank the numerous activists, civil society, and international organizations who continue to fight for Lou Jane's unconditional release. I would also like to thank and acknowledge the work of you and Sultan, who, like my sister, fight for freedom. I know she would be so proud of you. As you know, Lou Jane cannot be here tonight. Because of her activism, Lou Jane was kidnapped, illegally imprisoned, brutally tortured, put in solitary confinement, and now sentenced as a terrorist to 5 years and 8 months. For years now, the Saudi government tried to tarnish her image and to make her disappear. But the more time passes, the more Lou Jane proves to the world how incredible, resilient, and attached to her values she is. Lou Jane has become a symbol of human rights defenders in Saudi Arabia. A symbol because there are thousands of political prisoners in the country. Saudi Arabia has become a police state and imprisons even relatives of detainees. They put them on travel bans. But thankfully, we are abroad and able to become Lou Jane's voiceless voice. Our voice alone is not enough. The world needs to recognize her sacrifices and to help us raise awareness. We urge you to continue to fight for Lou Jane's unconditional release and to condemn Saudi Arabia's crimes. Finally, I would like to speak to you directly, Lou Jane. We love you. We're proud of you, we miss you, and we won't let you down.
Et comme nos trois finalistes sont privés de liberté comme tant d'autres défenseurs des droits humains dans le monde, les artistes genevois ont voulu leur rendre hommage et mettre leur talent au service de cette cause. Le Ballet Junior de Genève a souhaité danser pour Lou Jane dans toute leur liberté de mouvement. Angélique Spiliopoulos et Stavros Alexandros Iqbal interprètent pour nous et pour Lou Jane un extrait de la chorégraphie Moving Still de Cathy Marston. Le pays de notre prochaine finaliste vient juste après la Corée du Nord en termes de liberté de la presse d'après Reporters sans frontières. C'est dire si la tâche de Soltan Achilova est difficile et dangereuse au Turkménistan. Elle est devenue journaliste par nécessité parce qu'elle n'a trouvé personne d'autre pour la défendre, elle et les habitants de son pays. La nécessité de raconter les expulsions, de raconter le manque de nourriture, le manque de soins dans un pays qui officiellement n'a pas un seul cas de Covid. À 71 ans, malgré les difficultés, elle continue de documenter les injustices. On l'écoute. Qatarla tamlar salam, men Soltana Chilova. Mening sizi mehman chilgawa palawa chaqirib bilmeyandigim qiynandir yar. Pandemiya sababli asla del. Sebab
Түркменстан дүниенің ең япық юртларының бейірі. Мен бұй юртта журналист олып ешлерін. Бүгін әрмені 58 ашымда төтәнлейін тапты дейтем хем болыр. 2006 жылда менің өе 5 сағамын яшен үкөймеді ашаладың дұрқыны тәділімік бақанаты білен иқтылар. Компенсация алжақ олып, әхлі қапылар қақтым, еңі бейдерек. Үмейсіз олып, дашары үрт қабыр верістер істерлеріне еп тұттым. Жейдіп, қызматташылға башладық. Хеммед ады нолдан өрендім. Сес яғыға алмақ, туыраты түшірмек, өе видео алмақ. 13 жылдан өрмен еңі көй адамларың Юдбейд болған қиыншылықтары ве би қанулығы барыда атағыт берерін. Түркменстанда сұраты түшірмек қадаған дейсенген болға. Бұйырды, женайыз жоғап кәрсіліні чекілмегін мүмкін. Қарасыз метбуға дұшман хасапланар. Шону үшін, бидің юрдымыздан чыққан хер бір сурат қымматлыдыр. Үй телефоным кесілін ве интернет хем ішлемер. Хасаватлары нәдіп иверерін айтсақ дәл. Йоғсам олары қайдып көрмерсіңіз. Оғлым Мұхаммед Мұрат журналистиканы терк етмемі хайш етті. Мұны батырғай деп аттандырып болжақтығыны білем оқ. Йөне ішімі ташлап білмедім. Оғыл жағадым молса, хәкеметлерің басышы тәвәплі ішін етірді өе өз жанына қаст етті. Йөне мен юрдымды болып кетсен уақалары күрің вермек өз борзымдығына ұнаңярын. Хәкеметлер машғаламы өз рахатлығына қоймағына арзу етерін. Түркменстанның ачық демократик дөулеті өрілмегіні арзу етерін. Бүтін дүниедәкі шыңы меңдес қиыншылықлар білен юз-бе-юз болыған кәрдесілеріме ұлы үстінліклер арзу етерін. Султан. Nous aurions bien voulu parler à Soltan, mais c'était impossible. Elle est sous surveillance continue. Elle n'a pas d'accès à Internet. Elle a tout de même réussi à envoyer quelques images par-ci, par-là, quelques secondes que nous avons patiemment rassemblées pour lui donner la parole directement. Спасибо фонду Мартина Эннельса за выбор меня в числе трех финалистов на премию 2021 года. Хотя меня бы здесь не было бы, если бы я не была впервые номинирована организацией Human Rights Watch и Туркменской инициативой по правам человека и хроникой Туркменстана. Поэтому я выражаю искреннюю благодарность руководителям фонда Мартина Эннельса и работникам, которые работали со мной к этому выступлению. Также госпожу Рэйчел Денберу, руководителю правозащитной организации Human Rights Watch и господину Фариду Тухбатуллину, редактору сайта «Хроника Туркменстана». Я стала правозащитником после того, как власти в 2006 году варварски снесли два дома в рамках программы реконструкции Ашхабада и возрождения Туркменстана. Тогда я обратился во все правоохранительные органы Туркменстана с просьбой компенсации, но, увы, никакой помощи не было. Кстати, эти участки земли, где наши дома были снесены, пустуют до сих пор. Хотя прошло уже 15 лет, реконструкции не было. Затем я пошла в иностранные СМИ, чтобы рассказать о своих проблемах и решила изучать журналистику. А затем стали больше общаться с иностранными СМИ, поскольку нарушение прав человека стало усиливаться. Это связано с продолжающимся сносом домов, давлением на журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ, прослушиванием телефонов со стороны спецслужб. Все это побудило меня продолжать работу. Это то, что делают туркменские власти, чтобы помешать журналистам работать в западных СМИ. Не дают аккредитации, не позволяют снимать фото и видеоматериалы,
ограничивает доступ в интернет. В моем случае, с июня 2017 года, моя связь, международная телефонная связь, домашние и мобильные телефоны, а также интернет были отключены. Я не ожидаю, что ситуация с правами человека в нашей стране в ближайшее время изменится к лучшему, потому что власти делают все возможное, чтобы оказывать давление на простых граждан, которые хотят защитить свои права. Это давление на журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ. Люди должны молчать, но я надеюсь, что власти понимают, что весь мир наблюдает за тем, что происходит в нашей стране. Для меня эта номинация означает, что правозащитные организации высоко оценили мою работу. И эта номинация очень много значит для меня и мотивирует к продолжению свою журналистическую работу. Я бы хотела, чтобы люди знали о настоящем положении в Туркменистане, хотя бы в моем примере, и морально поддерживали всех правозащитников, которые работают, рискуя своей жизнью и здоровьем. Пусть эта поддержка хоть немного изменит жизнь людей в стране к лучшему. В конце я еще раз благодарю всех за большую честь быть финалистом премии Мартина Эннельса. Il est lui aussi dans le domaine de la presse. Il se bat crayon à la main pour la liberté de parole et pour la paix avec son organisation Cartooning for Peace. Chapat a souhaité faire un cadeau à Soltan, de collègue à collègue, et pour jeter un pont entre Genève et Ashgabat, la capitale du Turkménistan. Je suis très touché, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour soutenir Soltan. Elle est la voix d'un peuple qui n'a pas le droit de parler. Elle est les yeux d'un peuple qui n'a souvent pas le droit de voir. Je veux lui prêter mon soutien et je veux lui prêter ma plume, ma voix. Et j'aimerais lui consacrer un dessin. Et ce dessin qui résume l'importance du travail de Soltan, il est là. Nous allons lui l'envoyer dès qu'il sera possible de le faire pour s'assurer qu'il arrive à bon port. Notre prochain finaliste est lui aussi en prison pour n'avoir fait que son métier, celui de défendre les citoyens de son pays selon les principes de la loi. Mais voilà, Yu Wencheng est chinois et ses convictions lui ont coûté sa liberté. Comme tant d'autres défenseurs des droits humains, il a milité contre un système totalitaire injuste qui voudrait supprimer la voix du peuple. Il a pourtant continué son combat. Il est maintenant séparé de sa famille depuis 3 ans. C'est sa femme, Shu Yan, qui nous parle de lui.亲爱的文生，至今你还没有回家，已经3年了。我非常想念你，想跟你聊聊咱们结婚18年来的回忆。我当初嫁了一个有前途的商业律师，你之后也成为了一位用心陪伴家人的父亲。我记得这一切的转折点， 2014年。 你为支持香港占中运动发声，而之后被拘留的那99天，使你蜕变成了一位人权活动家。酷刑、饥饿、折磨、
虐待。我在取保候审出来不足半月，就动了小肠疝气手术。在2015年大抓捕事件中，你维护了律师同行，你把全身心都交给了工作。还记得有一个晚上，我们出现了一次对峙，你总是不在，一点时间都不分给我。我心里是想着你的，尽管咱们不总在一起。那时候我不懂，你希望在自己被带走之后为我留下积蓄。2018年你的律师资格证被注销了，尽管如此你仍然一往无前。你发表了一份面对政府的修改宪法的建议公开信，一天之后你被捕了。在被关押的第三个生日当天，我赶了700多公里的路，打算为你带去一个生日蛋糕。然而，看守所却没有接收，最后只能跟你的律师一起把它处理掉了。即便在你被捕之后，权力机关种种刁难，我再也不是那个遇到困难会无助的大哭的女孩。我参加了今年的国家法律资格考试，我想成为一名律师，追随你的脚步。我忧虑，由于你不被允许看医生，身体受到影响。路途坎坷艰难，黑暗残酷，但我们不放弃努力，我们相信爱，相信光明一定能到来。妻子许燕。Et nous avons réussi à contacter Shuyan, qui vit sous surveillance permanente, ce qui ne l'a pas empêché de reprendre le combat de son mari et d'encourager les défenseurs et défenseuses de son pays à faire de même. On l'écoute.我要求中国政府立即无罪释放宇文生律师。至今中国政府没有让我和孩子见面，与宇文生见面。这个做法其实是非常残酷和不人道的一个做法。宇文生，我看到的宇文生律师，在公益的去帮助别人，他不是为了自己，他在帮助别人。所以我也想，我也想，走他这条公益的路，力所能及的去帮助别人。第三点就是我看到了我的亲身经历，能够体会到很多其他的人权律师或者是维权的家属的困境。我亲身经历，我能感受到他们的困境，再加上我的经历，看到了中国政府很多不遵守法律规定，甚至把很多法律权利剥夺的这个情形的发生，更加坚定了我去努力去自己维权和去尽力的去帮助其他的人权捍卫者。首先我非常的高兴和荣幸的余文生律师能被马丁恩纳斯人权奖提名，我也非常的感谢。
这个提名，我认为不管是对于余文生律师本人，还是现在中国的人权律师和人权捍卫者，的整体情形，都会起到非常大的帮助作用。如果余文生律师能获得，尊敬的马丁·恩纳斯人权奖，对中国国内的人权律师和人权捍卫者也会起到很大的鼓舞作用。余文生律师他只是在履行宪法赋予的言论自由权和履行律师的职业权，他没有罪，应该立即被无罪释放。Maintenir le lien malgré le temps, la distance, l'adversité, c'est tout le défi pour ce couple déchiré. Un artiste genevois a voulu leur rendre hommage en musique. Je m'appelle Gaspard Sommer et je suis très honoré de pouvoir dédier ma chanson d'amour à Yu Wenchen et sa femme Shuyan. Je veux des chansons d'amour car je veux rêver. Les chansons de nos jours sont oubliées. Je fais des chansons d'amour car je veux rêver, espérer puis chanter. J'ai toujours voulu t'embrasser. S'embraser fut une meilleure idée. Maintenant qu'il fait chaud, dis-moi si ce n'est qu'une illusion. Je fais des chansons d'amour car je veux rêver. Les chansons de nos jours sont oubliées. Je fais des chansons d'amour car je veux rêver, espérer puis chanter. Car je veux rêver. Car je veux rêver. Ouh, 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 ouh. J'ai toujours voulu t'approcher, nager dans un ciel étoilé. Mais ce n'est qu'une espérance, une chanson d'amour. Je veux des chansons d'amour car je veux rêver. Les chansons de nos jours sont oubliées. Je veux des chansons d'amour car je veux rêver, espérer puis chanter. C'est l'heure du verdict. Qui est le lauréat du prix Martin Ennals 2021? On le dit souvent, prix Nobel des droits humains, c'est même plus que ça, puisqu'il a la légitimité d'être le choix d'un jury composé de 10 ONG internationales de défense des droits humains les plus importantes. Comme beaucoup d'entre nous, ils n'ont pu se réunir qu'à distance. Ça ne les a pas empêchés de travailler d'arrache-pied pour arriver à une décision. Je cède la parole au jury. The jury of the Martin Ennals Award for Human Rights Defenders is composed of 10 important international human rights organizations. We've met in person for 28 years to select the finalists and laureates for the award. But not in 2020. Like many aspects of our lives, jury work had to be done online. Still, the research to find the winners among the most deserving candidates was done. And 3 outstanding finalists were selected and announced to the world. The 2021 finalists all face down authoritarian regimes at their own peril, and they pay a high price for it. As defenders continue to fight for human rights, even during the pandemic, they inspire us to keep pushing for respect for human rights for everyone, everywhere. It is our great honor
to congratulate each of the 2021 nominees to the award. And without further ado, we, the jury, are pleased to announce that the winner of the 2021 Martin Ennals Award for Human Rights Defenders is Yu Wengsheng from China. Bravo!大家好，我叫许燕，是余文生律师的妻子。余文生律师现在还被关押在中国的监狱里，我很牵挂我的丈夫，也非常荣幸，余文生律师能被马丁恩纳斯人权奖提名。余文生律师获得自由文明国家和国际组织授予的马丁恩纳斯人权奖，这是对余文生律师。 以及他所之前所从事的人权法治工作的支持和肯定，在此请允许我代表余文生律师真诚感谢马丁恩纳斯人权奖、马丁恩纳斯基金会、马丁恩纳斯人权奖评委会，以及对中国人权法治给予帮助的正义人士。 谢谢你们对余文生律师的鼓励和赋能。余文生是中国人权律师，他出生在北京的一个高干家庭，他的父亲从事外事接待工作，这使他很小的时候就能接触到国外的报纸和期刊，也让他了解到了国外的世界，从而形成了法治、民主、人权的理念。 后来，他做了一名人权律师，在中国去努力去改善中国的人权法治。提出修改宪法的建议，推行政治体制改革的建议，是余文生律师被抓的主要原因。2015年，中国大规模抓捕人权律师，余文生律师大力的为这些律师去辩护和争取法律权利，让中国政府非常的气愤。中国警方。 要求他不要发出声音，但是余文生律师继续为他们去看争权利，不愿听任自己的同行遭受迫害。现在人权捍卫者已经不太敢说话了，我的发言也是在努力坚持如何让人们放心的说话，如何让律师放心的代理案件，如何让 NGO 工作者放心的去做公益，成为一种挑战。 余文生律师能获得马丁恩纳斯人权奖，这不只是对余文生律师一个人的荣誉，也是对在困境中一直坚持和努力的所有中国人权律师和人权捍卫者的一种鼓励。现在，余文生律师还没有获得自由，丁家喜律师、程家红律师、许志勇博士、秦永佩律师又相继身陷囹圄，王宇律师、李金星律师、文东海律师、唐继田律师被吊销律师执业证，江青勇律师释放后还长期被限制自由出行，处境非常艰难，但是相信中国人权律师会继续在艰难中努力前行。最后，再次感谢各界人士对余文生律师的大力支持和肯定，也恳请大家。 Cette cérémonie ne pouvait pas avoir lieu sans le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, partenaire de longue date. Traditionnellement, le prix est remis en personne par la haute commissaire, gage de protection pour le finaliste. C'est la haute commissaire adjointe, Madame Nada Al-Nashif, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Distinguished finalists of the 2021 Martin Ennals Award, colleagues, friends, thank you so much for inviting me to be with you tonight. It's a great honor. For the United Nations, a defender is a person who strives to protect human rights. Each one of the three defenders we honor tonight, Lujain Al-Hatloul, Yu Wengsheng, and Sultan Achilova, has stood up for the rights of others, the rights of women, the rights of those wrongfully imprisoned for defending their freedom, the rights of people to food, housing, and health. Each of their stories is one of courage and values. They are exemplary in three striking ways. First, as is the case with so many human rights stories,
each of the three finalists had the choice, looking away or confronting injustice. All of them knew that doing the right thing would come at a risk. They still chose human rights. They did so in very different ways, using legal means, social media, art. They did not look away. And by staring those violations in the eye, they made sure that the world saw them too. Secondly, and very tragically, each of the finalists and their loved ones had to pay a very high price for their courage, facing attacks, intimidation, harassment, charges of criminal offenses, detention, imprisonment. Familiar tools used all too often vis-a-vis those who speak up and stand up, often under a pretext of national security and the fight against terrorism. Thirdly, all three stories remind us of the core of what human rights are about, the values that unite and inspire us. Each of the finalists, in addition to making a difference in their own communities by standing up against absolute power and overwhelming pressure, made and continue to make a difference in the world. Their stories inspire countless other courageous human rights stories in small and big ways. Each of them inspires new generations of human rights defenders. That is what we are celebrating today, that these human rights stories will endure, that brave women and men will always seek to persevere for justice against all the odds. In the Declaration on Human Rights Defenders, the international community committed to protecting defenders and the space they need to operate. We need a renewed collective effort to achieve our commitment. During this COVID pandemic, more than ever, we need forceful and coordinated strategies. No matter whether those who speak up are human rights lawyers, young women and men, women's rights activists, journalists, defenders of environmental, migrants, or minority rights, all of them deserve to have the space to contribute. For this, we need to come together across all pillars of the United Nations, all departments of foreign ministries and governments, all segments of civil society, behind this key message of steadfast solidarity in honor of those who share the common goal of making their societies and the world a better place. Congratulations, Soltan Achilova, Yu Wencheng, Lujain Al-Hatloul. Thank you and all others who stand up for human rights, for your resilience and determination, for your enduring commitment to our common humanity, and for leading the way into a better future for us all. Les traditionnelles photos des finalistes du lauréat sont importantes. Elles ont un pouvoir de protection, quelque chose qui dure, de solide, sur lesquels s'appuyer une fois que la cérémonie est terminée. C'est particulièrement important pour les défenseurs et défenseuses qui sont en prison ou qui sont sous haute surveillance. Et ainsi, la tradition est maintenue malgré la pandémie. C'est la fin de cette cérémonie 2021 du prix Martin Ennals. Merci à vous de l'avoir suivi. Un immense merci à nos finalistes, à leurs familles, à tous ceux qui se battent pour un monde meilleur, qui mettent leur vie entre parenthèses pour des idéaux de justice. C'est à vous de jouer maintenant. Vous pouvez le faire, vous pouvez montrer votre solidarité avec les finalistes en vous prenant en photo avec le finaliste de votre choix. Je suis Yu Wencheng, je suis Lujain Al-Hatloul, je suis Soltan Achilova et vous pouvez poster vos photos sur le site de la Fondation Martin Ennals. Nous attendons vos photos en grand nombre, nous l'espérons. Nous remercions la ville de Genève de nous avoir accueillis en son palais. Vous pouvez voir ou revoir cette cérémonie à la télévision sur l'Aimant Bleu dès demain 19h30, puis en rediffusion. Prenez soin de vous, bonne soirée, à l'année prochaine.